Tu sais, quand l'affaire Damien Abad, elle est tombée, à l'Elysée, il devait être dégoûté, parce que des affaires de viol, il y en a déjà eu, mais là... Sans les mains. Après, les ministres, ils les prêtent pas sur les compétences, hein. Non, il faut une photo de classe. Et ils comparent avec le calendrier de l'UNICEF, hein. Bon, qu'est-ce qui manque? On a la parité, ça c'est ok. On a pas Pendia et ça nous fait un noir. Là, on est bon, hein. Patron, je crois qu'on a un problème. Dans les ministres de plein droit, il y a un homme en plus, hein. Il faut régler ça, hein. Mais sinon, les assos féminis, mes couilles, vont nous tomber sur la gueule. Bah, j'ai bien une idée, patron. Comme on a un homme en trop, on a qu'à mettre un handicapé. Comme ça, patron, quand les assos féministes vont nous engueuler, on aura les associations des invalides avec nous. Et hop, le tour est joué, patron. Non, le génie, il est pire que moi. Du coup, faut trouver un handicapé. Et Darmanin, ça passe pas? Oh, celle-là, elle était bonne, hein. Qu'est-ce que vous êtes drôle, patron. Et deux semaines plus tard, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Mais pourquoi on l'a pris, monsieur le président? Je sais pas, on pensait bien faire. Mais ça partait d'une bonne idée, il était tard. Il y en a un qui a dit pas de bras, pas de chocolat. On a rigolé et bim, c'est parti. Monsieur le président, en théorie, le pingouin il viole pas Catwoman. C'est quand même pas de chance. Ils ont pris un handicapé pour passer pour des gens bien. Et il fait une Pistorius. Faux départ.